Un certain nombre de passages à niveau encore dangereux en France, il y en a évidemment en Essonne, mais ce n'est pas la dangerosité de celui de Moulin-Galant à Corbeil qui pose problème, mais l'inconscience d'un individu qui a voulu forcer le passage des barrières. Les barrières se baissaient à l'arrivée d'un train et il s'est retrouvé coincé. Alors l'homme en question, il a carrément pris la fuite juste avant qu'un convoi ne percute le véhicule. Heureusement, aucune victime à déplorer, mais trafic RERD assez perturbé durant plusieurs heures. Le propriétaire du véhicule en question affirme qu'on lui avait volé celui-ci et l'enquête se poursuit.